Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de notre incroyable aventure sur God of War, évidemment. Et il est temps d'aller chercher Tyr, voir s'il est vraiment tenu en captivité, tout simplement. Et si on peut le sauver, nous sommes normalement dans les mines où il est censé être. C'est parti, on reprend notre incroyable aventure 4K 60 FPS, toi-même, tu sais. Et surtout, ah, ok, ça repop, pourquoi pas. Et surtout, un petit truc à boire et à manger, voilà, on va se retrouver un petit peu de temps ensemble. Et ça fait toujours plaisir. Évidemment, j'ai baissé un tout petit peu la luminosité, parce que c'est vrai qu'elle était assez forte, je trouve. Tu t'es laissé un peu aller tout à l'heure. Ce n'était qu'un mot. Brock a déjà fait bien pire. Le mot importe peu. Tu as perdu le contrôle. Mais on tombait. Et de haut. J'ai cru qu'on allait mourir. Veux-tu que ce mot soit ta dernière parole? Non. Face au danger, la panique ne sert à rien. Contrôle-la et utilise-la. Allez, nous sommes donc dans les mines de Jarsmida. Évidemment, région découverte, ça on l'avait déjà vu. Ce sont de très 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 belles mines. Le degré de détail est tout aussi impressionnant d'ailleurs. Et assez fou à ce niveau-là. On va tout casser, il n'y a rien à casser. Et ben on va descendre, hein. Je sais pas ce qui m'attend, ça m'inquiète beaucoup. Ok. Très bien. Ok, on a une. Regardez par terre, des rails. Ils doivent mener à l'intérieur de la mine. On doit contourner cette caisse. On doit contourner cela, très bien. Dans ces cas-là, le meilleur, c'est peut-être soit ça, mais ça ne fait rien. Soit... pas assez longue. Et là aussi, oh, il y a un double piège. On ne sait pas comment on va faire. Alors, attends. Il y a forcément quelque chose. Est-ce que, dans un monde hypothétique, on peut arrêter le courant? Ok. Ce monde hypothétique existe bel et bien. Très bien. Là, nous avons donc le R. Alors, comment on va faire ça? Il y a un brasier à gauche du coffre. Très bien. Tu peux peut-être... Il doit y en avoir deux autres dans les parages. Cherchons-les, d'accord? Je suis totalement d'accord avec toi. On en a un là. Dommage. Donc je suppose que c'est par ici pour l'allumer. Oh non. Ça m'emmène partout sauf là où je veux. Ok, ici c'est corrompu. Je devrais pouvoir monter si tu m'aides. Hein, pardon? Où ça? Là on a un très beau coffre. Vas-y mon fils. Parfait. Et régale-moi. Je vais aller regarder de l'autre côté. Vas-y hein, apporte-moi que des bonnes nouvelles hein. Sinon je te... t'es déshérité. Père, il y a une porte là-haut qui s'ouvre en direction de l'entrée de la mine. Si tu arrives à monter, j'aurai besoin de ton aide pour la soulever. Si. Oh, un petit effort. Tu peux faire ce saut. Tes genoux sont pas si vieux. Atreus. D'accord, ok. Tu penses pouvoir la geler? Ouais, mais alors là, ça m'intéresse pas. Moi, c'est ça que je veux. Parce que les gars, il y a des petits flambeaux. Et ce tombeau sera votre tombeau. Je sais pas, je devais le dire, c'était ultra classe. Ok. Ah, bon, déjà. Ok, on a un chemin ici. Avec un beau coffre rouge. On prend, évidemment, c'est une pochette. C'est un cuir brut. Très bien, ça. Bah, c'est bon, je sais où ils sont. Quoi? Oh, les bâtards. Ah, j'ai compris. Très bien, j'ai compris, bougez pas. Oh, tête, lis-moi donc cela. Vous inquiétez pas, on va faire les choses en ordre. Le choix du terme coopératif doit être ironique, non? Nouvelle rune, très bien. C'est bon? C'est allumé. On va pouvoir passer de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir geler ceci.
Parfait. Allez, let's go. Incroyable. Allez, régale-moi. Plus de vie. Ça monte, on a collecté assez de pommes. Santé max augmenté. Très bien. Ça me plaît, j'aime bien. Bon, Le niveau de l'eau a dû baisser lorsque les nains ont creusé la mine. Je me demande à quoi ça ressemblait avant l'excavation. Allez, ça dégage. Rien à péter. Le corbeau aussi s'est fait, on a bien avancé. Je suis choqué, point déçu. Fils, retourne là-haut, s'il te plaît. Retourne là-haut, fais-moi plaisir. Et dépêche-toi. On est pas mal. On est pas mal. J'espère que tu pourras faire ce saut-là. Je pouvais pas rêver mieux. C'est encore une de ces auges en bois. Les nains vont chercher tout ça. Ah, c'est certainement dû à leur grand sens pratique. Pourquoi faire l'effort quand on peut laisser faire la nature? Je pourrais plus revenir en arrière, c'est cela. Très bien. Bon, jusqu'ici, je pense pas qu'on ait oublié. J'espère que Tyr est ici. Atreus, on cherche des informations. Je sais. Arrête de croire que je veux déclencher une guerre. Pourtant, tu ne dis pas le contraire. Mes frères, peut-être devrait-on laisser cela de côté. Ok. Je pense avoir compris. Alors, si je suis pas si je suis dans le bon, ça en gèle. On monte. Ok. Soulève de ton côté, je le ferai du mien. Il n'y avait pas quelque chose à droite. Ça m'intrigue un petit Merci. Peu ça. Continuons. Ok, ça se referme tout seul. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y avait. Oh mince. Il y a quelque chose là-haut. Attends. Ok. On verra, c'est peut-être après. C'est peut-être après. Oh, bah qu'est-ce que vous là? J'ai autre chose pour vous. Sindri! De quoi parles-tu? Puisqu'il vous manque une source de lumière, désolé, et que vous ne voyez pas quelle abomination rôde dans les ténèbres, ceci devrait vous aider. Reprenez votre exploration. Du balai. Merci, Sindri. Attends, que veux-tu dire par abomination? Ok, c'est une lampe torche. Une lampe torche naine. Très bien, très bien. Attention. Quoi? S'il s'accroche au mur, on doit le faire tomber. Derrière toi. Oh là, trop stylé ça. Hop, je t'ai loupé. Allez, mort. Et mort. Let's go. Pas mal. Ah, ça servait à ça, d'accord. C'était pour faire tomber si jamais il y avait un man dessus. Derrière toi, prends garde. Ok. Il a pris. Il y a terre. Très bien. Suivant.
Ah, des petits zigzags comme ça avec les chaînes, ça fait plaisir aussi. Le problème, c'est que là, j'avais pas besoin d'utiliser ma rage. Parce que je n'ai pas la rage. Je suis... Quoi ? Je suis quelqu'un... je suis un Kratos repenti. Quelqu'un qui n'a qu'amour sur lui. Ça sera pour partir. Je suppose. Ça m'embête, je voulais retourner à droite. Non, c'est bon, c'est pas ici. Superbe. Superbe. Ok. Et là, qu'avons-nous là? Ici, ce sera pour partir, je suppose. C'est ça? Peut-être pas grand chose à faire. Et peut-être que je tire du mauvais côté. Et ça, superbe. Oh, vous avez vu ça? Cette énorme grue se dirige vers nous. Wow, ça s'arrête pas, c'est plein de surprises. What the fuck? C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Reste ici. Compris. Ok, je vais aller check. Je reviens, Pis. On se retrouve de l'autre côté. Waouh. Ah ouais. Mimir, quelle est la probabilité que Tyr soit emprisonné dans cette mine? Même s'il avait été aussi beurré que cette grue est huilée, je ne vois pas Durlin nous donner une fausse piste. Et j'ai pas visité là-haut, mince. Crotte. Trouves-tu le garçon trop confiant? Il a hâte de faire ses preuves. Cela obscurcit son jugement. Ah, tu crois en lui plus que tu ne veux l'admettre, mon frère. Allez, et ça va se remettre, c'est trop bien fait. Ce jeu est incroyable, les amis, je suis désolé. Ce jeu est incroyable. Encore une œuvre lyrique issue de l'esprit de Kwasi. Eh ben voilà, ça c'est bien, we take it. Ok. Qu'est-ce qu'on a là, un poème en plus, et là... Pommeau forgé dans les flammes, montre-moi ça. Je perds 2 en force, néanmoins je gagne 8 en... Je gagne 3 en pouvoir unique, donc c'est pas dégueu en vrai. On va mettre ça. Allez hop, rien à péter. Histoire que ça soit un petit peu plus sympatoche, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas venu là que pour ça quand même. Ah si, on est venu là que pour ça, incroyable. Ah c'était stylé. C'était trop stylé. J'ai grave kiffé ma petite balade. On continue. Et là, qu'est-ce que c'est? Une pierre? J'aime pas les pierres. Ok. Let's go, on va enfin s'aventurer dans cette mine. Lumière! Je crois qu'on y est. Qu'est-ce que c'est? C'est cette mine? Ça, je ne sais pas c'est quoi toujours. Hein. Ça, on peut toujours pas trop savoir à quoi ça sert. Cela dit, nous ne pourrons rien en tirer avec notre équipement actuel. Mais qu'est-ce qui peut bien manquer? Mimir, toi qui sais tout. L'homme le plus intelligent du monde. Attention! Attention à droite! Ah, pas nous casser les couilles par de la petite friture. On dirait que l'entrée officielle de la mine est bloquée. Ah, au moins ce n'est pas une impasse. Allez, okay. Voyons où ça nous mène. Ah, encore. Ok, derrière toi. Ok. D'où est-ce qu'ils sortent? L'odeur confirme que nous entrons bien dans une mine. Je crois que j'entends l'eau s'écouler. Ralentis, Atreus. Sois prudent. Tiens-toi prêt. Ok. Ok, oh, il est balèze.
fois que j'ai trouvé d'où venait cette calamité. Ils vont te déborder. Ne t'éloigne pas. Derrière toi. Let's go, c'est que des patates dans ta mère à toi, hein. Ces petites crottes. Putain, mais c'est pas vrai. Ok. Ok, c'est bon. Allez. Elle est morte. Occupons-nous du reste de ces choses. Ok. Eh ben. Oh, c'était le dernier. L'odeur de ces choses est vraiment répugnante. Un maigre prix à payer pour le dérangement. Ne restons pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un os de bête. Incroyable. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Un peu de rage dissimulé ci et là, ça me plaît. Cette espèce de barque pourrait nous conduire plus loin dans la mine. Essayons. Et c'est bon, on a tout fait? Allez, on a tout fait, les amis, c'est reparti. On s'enfonce dans les ténèbres. Allez, viens, mon petit attrait-trait. Tiens, prends cette tête. Ah, ça fait Désolé, longtemps. Tu m'as dit d'oublier ça, mais à la Disney. J'arrête pas d'y penser. On a passé tout notre temps à combattre ces choses. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire aux côtés de Tyr. On ne le connaît pas. On a vu ses fresques. C'est un chef. Il s'est opposé seul à Odin. S'il l'a déjà fait, pourquoi il ne recommencerait pas? Des images de temps lointain ne disent pas toute l'histoire. Allez, c'est parti! Lève les bras, Atreus! Je suis mort que notre arte s'est sorti. Il y a une porte. Dès que nous serons descendus, nous irons voir si elle peut nous mener à Tyr. Mais je vois pas pourquoi ça serait. Il serait enfermé ici en mode ultra sécurisé. Pas l'air foutu en termes de sécurité. Ces derniers temps, j'ai comme la sensation que tu m'en veux. Depuis qu'on est arrivé à Svartalfheim, tu critiques chacun de mes choix. Si tu ne me crois pas capable de nous diriger, dis-le. Ce n'est pas ta compétence qui est mise en doute. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pense à tes intentions. Région découverte. Le Trognon. Cet endroit est immense. Le Trognon. Sa construction a dû prendre une éternité. Regarde comment on est posé. Encore une porte. On devra s'en occuper aussi. Les instructions de Durlin ne disent pas laquelle. Non, rien qui puisse nous aider. Ce que tu as dit tout à l'heure, sur mes intentions. Je veux aider le dieu de la guerre à arrêter Odin. Et pour ça, il faut d'abord le libérer de la prison où il est retenu. Accrochez-vous, les amis. Sindri ? Faites attention en sortant, un pied après l'autre. Il y a des clous rouillés absolument partout. Penses-tu que Tyr soit ici ? Comme si j'allais m'aventurer dans ce labyrinthe d'égouts malodorants. Non, vous vous débrouillerez très bien tout seul. L'eau me paraît pourtant assez limpide par ici. Justement, arrête. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Alors, les amis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à s'acheter de très sympa? Il me faut de la flamme de glace pour avoir une hache de niveau 2, ça pourrait être sympa. Pour mon porte-bonheur, ça peut être sympa aussi. La furie déchiqueteuse, on peut l'améliorer, en vrai. Et on peut améliorer pommeau de bois. Force 0 to 4, pardon. C'est bizarre, ça n'a pas de sens. Ok. Attendez les gars, lame du chaos, qu'est-ce qu'on peut améliorer là? Je peux améliorer la lame du chaos les gars, j'ai une flamme du chaos. Je pense que c'est fait pour, let's go.
superbe. Le feu est en fait un désinfectant. Elles sont donc très hygiéniques. Ok. Améliorable. Oh la vache. Ça, ça demande que un tout petit peu d'argent, en vrai. Et ça, ça demande 6. On va améliorer ça, ça me paraît pas mal. Pommeau forgé. Attends, parce que le bouclier aussi, c'est ultra intéressant, en vrai. Ça, c'est fabricable. Bouclier mur de pierre. Dépôt de scories. Fort et juste. On prend. Et j'ai plus de dépôt de scories. Quel dommage. Là, on va améliorer un petit peu aussi quelque chose au niveau de l'âge. Ça peut être pas mal. Allez. Ok. Bon, on est pas mal. Je me remercie. On est pas mal du tout. Mais on va garder les lames du chaos parce qu'elles sont incroyables. Je les ai vraiment bien pimp. Et en termes de dégâts, on est sur quelque chose d'assez bien. Regardez, il y a une porte de l'autre côté. Ah, tête, dis-moi ça. Oh putain, l'araignée m'a fait stresser. Celui qui a écrit ça avait le souci du détail. Il veut pas nous dire, hein. Ah, quoique. Vue de la chambre forte. Ah, il y avait écrit vue de la chambre forte. Voilà. Quelque chose retient l'eau. Quelque chose retient l'eau. Ok, effectivement, je vois ça. Quelque chose retient l'eau. Ah, pas tout à fait. Quelque chose retient l'eau. Et là, il n'y a plus rien à faire. Bah alors, on va pas rester bloqué sur un truc aussi aussi tranquille, si. Oh, l'eau déborde à l'endroit où tu as gelé cette auge. Ça peut être utile. Ouais. Ah. Tiens le pas. Très bien. L'eau semble avoir repris son cours, mon frère. Super. Superbe. Superbe, ok. Compris. Ça a marché. Voyons ce que cache cette porte. Allez. Let's go, on va checker ça. Tire. Petit, je doute fort que nous trouvions Tyr à l'intérieur. Mais... il est forcément quelque part ici. La mine est immense. Atreus, tu parles comme si tu connaissais le plan d'Odin. Que comptes-tu l'empêcher de faire? Je ne connais pas son plan. Mes frères, entre Fimbulvetr qui a déjà commencé et l'arrivée imminente du Ragnarok, Odin sera prêt à tout. Quoi qu'il ait prévu de faire, il sera certainement le seul à en bénéficier. Exactement. Ok. Les araignées, c'est horrible. Ça, c'était pas nécessaire, les gars. Moi, dieu de la guerre ou pas, je ferais déjà des syncopes. Qu'est-ce que c'est? Je ramasse. Et qu'avons-nous là? Que dalle. Ok. Très bien. Superbe. Dun, dun, dun. Oh, les musiques. Oh, c'est beau, ça.
Lis-moi ça. Des enseignements? Très bien. Je veux le stèle de connaissance. Ok. J'essaye de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Bah là, je pense pas, c'était un petit truc un peu caché. Oh. Oh, content qu'on ait exploré. Là, y a rien à faire. Là. Bien. Ça a marché. Ouais, superbe. Mais ça donne quelque chose en bas, non? Non, je sais pas, je suis fou. J'ai cru que le truc était tombé ici. Non, je suis totalement cinglé. Et bon, on remonte. C'est pas grave. Et là? Dommage, je voulais voir pour geler ça gratuitement. Ok. J'essaye de rien louper parce que c'est vrai que c'est un jeu. C'est un jeu qui a ce plaisir de découvrir, d'explorer. Toujours des petits trucs un peu cachés à gauche, à droite. Tu as vu ça là-bas? Ok. Il y a une porte brisée en haut à gauche derrière cette grue. Qu'est-ce qu'on a là? On ira peut-être tenter de fuir. Allons voir. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on a là? Trop de choses à explorer déjà, c'est terrible. Et là? Ok. Voilà. Superbe. Ça devrait envoyer l'élévateur jusqu'en haut. On y est presque. C'est remarquable. Le débordement de l'eau actionne la grue. Habile. Ouais, mais alors attends, parce que... Ça m'a aidé en quoi, cette connerie? Nous serons là-haut en un rien de temps. J'ai pas confiance, je suis pas serein. J'ai pas confiance parce qu'il y a quelque chose qu'on a forcément loupé. Je vais laisser. Combien de portes y a-t-il ici? Je ne voudrais pas te saper le moral, mais il s'agit d'une mine. Ymir, tu ne m'aides pas, en effet. Là, c'est là où j'ai cassé le truc, c'est bien ça? Je comprends pas à quoi ça a servi, en fait. Et là, on a quelque chose là-haut, non? What the fuck? Attendez. Et j'ai l'impression qu'on peut encore monter, putain, mais c'est fou. C'est fou. Ok, on se casse, mais est-ce que je vais revenir d'un... Je sais pas, d'un autre côté, peut-être? Ah. Ah vache. Putain, tout est complexe, je sais plus voilà. Ce que je fais. Grimpons sur cet élévateur. Tyrne est sans doute pas loin. Tout est très complexe. Presque hasardeux. Bien, nouvel exercice. Dans quel état d'esprit doit se trouver Tyr enfermé dans cette mine? Si Odin m'avait emprisonné et que j'étais enfin libre, il serait évidemment ma priorité. Mais je voudrais surtout me battre. Contre n'importe quoi. Juste pour voir si j'en serais encore capable. Ok. Bon, on a bien avancé dans la mine. Mais on n'a pas non plus fait tout le boulot. Il y a un truc de ouf là-haut. Oh là là. Ah!
La vache. Oh la vache, c'est ultra complexe. Mais on arrive à sortir des petits trucs quand même. Oh là là, quel merdier. Mais ce level design est fou. Ok, des pots de scories, c'est superbe, c'est ce qu'il me fallait en plus. Non mais vraiment, c'est fou. Attendez. Ça a l'air de rien faire. Ouais, ça a l'air de rien faire. Bon, c'est incroyable, level design de fou, je pense qu'on a oublié des coffres derrière, mais enfin... Tire ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok... T'es sûr ? Calamité, flambeau ! Très bien... Rends-moi ! Merde. Merde. Là, il y a des cadavres. Superbe. Allez, fin de rencontre. Qui est sûr, c'est qu'il n'était pas tir. Continuons à chercher. Ce nain, c'est une relique ? On fait un pouvoir spécial qui s'active L1 rond. Équipé là, pardon. Ça a l'air fou. Ok. Attends, j'ai fusillé ma relique là. Tiens pas. Ouais, ce monde s'est trouvé un J'ai fusillé ma relique là ou c'est ok? Poison dans ton dos. Derrière toi, prends garde. Ok. Ok, très bien. Allez, donne-moi de la rage et de la vie, merci monsieur. Superbe. On pourra peut-être sortir par ici. Attends, il n'y avait pas une personne aussi qui était bloquée là, miskine ? Si, superbe, argent. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là et on verra lors du prochain épisode ce qui se cache derrière ce mur. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.